De retour, mais le serveur a planté, je crois. Et le stream ne veut pas se relancer. Je crois que le stream ne veut pas se relancer, c'est bizarre. Si, ça a l'air d'être bon, ok. Donc de retour, voilà. Bon, le serveur a planté. Serveur a planté, il restait figé sur ça là. Donc je vais kill le jeu. Kill le jeu. Tac tac. Ah, j'ai plus battle log. Nice. Nice bro. Allez, on relance Battle Log. Alors, je crois que j'ai déverrouillé des caisses Battle Pack. Est-ce que j'ai déverrouillé? Non? Ah bon, il me semblait. Bizarre, bizarre. Ou alors peut-être que je les ai peut-être déverrouillés déjà. Why not? Why not? Bon, et eh bien on va se refaire une petite game. On est dessus? Vous êtes dessus? Ok, bon, je te rejoins. Je te rejoins, Yats. Je croyais que c'était le serveur qui avait planté. En fait, c'est moi qui a planté au chargement. Pas de soucis, j'arrive. Pas de problème, je suis là. Ouais, putain, si quelqu'un a un code ghost qui ne veut pas et qui veut bien me le donner, je suis preneur pour le tester sur PC. Parce qu'à vrai dire, en termes d'argent, c'est pas trop ça. J'aimerais bien pouvoir le tester sur PC. Sur console, j'attendrai d'avoir la Xbox One. Tranquillement. Oh, GG les gars, GG ça. Donc on a la bombe. On va sur B? Oh, y'a du monde. Oh, j'ai tué personne. Ok, je sais pas ce qui s'est passé là. Je suis arrivé dans la guerre quoi. Je suis arrivé dans la guerre. Non, parce que j'aimerais bien franchement le tester sur PC après avoir. Vraiment avoir, mais ça me tenterait vraiment. Craquer par contre 40 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, je vais pas pouvoir. Moi, je me suis fait brainhead. Allez, comment je t'ai brain net toi? Force 12 quoi. Je m'en fous. Il va péter, il va péter, il va péter. À l'aise. À l'aise, moi j'arrive, je fais péter un BP quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle le péteur de BP quoi. Vas-y. Allez, on est bien. Ah, par contre, là, y a un char à la même hauteur que nous. Ça, c'est middle quand même. Pouah, allez, triple kill. J'ai débloqué la CZ et je revive mon ami. Hop là. Ah, il se fait tuer juste après, c'est dommage. À droite, Sparko. Ah, je crois qu'il est mort.
Déblocage de CZ, ouais. Pouvoir tester la CZ. Bon, où sont les autres? Oh, oh, oh merde. Non, mais non. Oh putain. Il faut revive. Une troisième règle dans BF. Pour les revive, il faut les faire une fois après avoir tué les ennemis. Et pas genre revive et tuer l'ennemi. Parce que. C'est la règle. La règle numéro 3. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et le truc qui s'écroule là. Mais non, l'évolution quoi, l'évolution. Mec, j'arrive trop content, je regarde le barrage s'écrouler, je fais ouais, c'est pas mal et tout, c'est sympa. Et là, qu'est-ce que je vois? Une pierre qui roule et qui m'écrase quoi. Pierre qui roule n'a pas un spamousse, mais pierre qui roule dans BF écrase qui loue. Oh, magnifique. Magnifique quoi. Tué au combat, ben, c'est tué au combat, c'est écrasé au combat. Oh, c'était juste magnifique quoi, ce moment. Un autre Battlefield moment dans mon live. J'ai au moins deux ou trois Battlefield moments. Hier avec avec Neto aussi, j'en avais un ou deux. Oh, j'ai envie d'éternuer, un truc velu. Voilà. Petit éternuement, j'ai les yeux qui piquent et les yeux qui coulent. Mais j'aime tellement BF que je m'arrêterai pas. J'ai balancé la grenade de Dieu. Hop, ça passe, ça passe. Tac. Donc là, vu qu'il y a personne, je vais pouvoir amorcer tranquillement cette bombe. Voilà. Et je vais me mettre en fufu. En fufu singas. Voilà, je cover même mon mate et tout. On appelle ça la classe de BF. Ah, j'ai les yeux qui me démangent. Nice. Donc, Sparko est déjà parti sur le BPB. Normalement, ça devrait être bon. Sauf s'il est pas en haut. S'est trompé. Ah, il est sur le toit même carrément. Donc là il y a deux accès. Trois accès même. Je vais prendre celui-là. Voyez Yotz. Je vais me mettre en fufu derrière un scanner. Je crois qu'on les a dépassés par les événements les types. Ça c'est fait, je reviens dans la game, je fais péter 3 BP, why not? What else quoi? J'ai envie de dire what else? J'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Je me suis défoncé l'œil là, je crois. Ah. Vieux truc dans l'œil, ça me fait trop mal. Allez, direct j'arrive, qu'est-ce qu'il y a? 9, 5, 3 BP, 5000 points. Boum. Yo Alzaco! Comment va Alzaco? J'espère que tu vas bien Alzaco. Oh, j'ai l'œil gauche mec, c'est bon, j'ai perdu un œil gauche quoi. Je vais pouvoir mettre une bille dans l'œil quoi. Ah, j'ai un œil de verre quoi. Oh putain. Je sais pas ce qui. Depuis que j'ai éternué là, j'ai mon œil, il est parti en sucette, il a fait. Il y a des games, tu fais 17-5, il y a des games, tu fais 2-25. Ouais, non, mais ça après, ça dépend. Ah, conquête en zone inondée, flood zone en conquête, voilà quoi. C'est pas forcément the map. Flood zone, elle est bien. Parce qu'il y a vachement de verticalité.
J'aime bien quand même. Il y en a, ils se plaignent un peu des maps qui a trop de verticalité. Alors, je peux les comprendre. Moi, j'aime bien. Le seul problème dans cette map, c'est que. C'est qu'en fait, il y a trop d'accès. Sur tous les immeubles, il y a trop d'accès. Personne veut monter avec moi, tout le monde vous avez peur, hein. Je vous comprends. Je vais vous faire un spawn, je sais pas si vous êtes sniper. Je vais vous faire un petit spawn sur un immeuble pour les snipers. Oula, oula, oula. Oula. Bon, je vais pas vous faire un spawn. Puis. Alors, on s'en passe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a neutralisé l'objectif alpha. Oh, il s'est passé un truc bizarre là. J'ai pris un immeuble sur moi. Ah, mais c'est un petit conquête? C'est quoi cette histoire? Il y a combien de BP là? Le C, le B? Le A, B, C. Ok, c'est un petit conquête alors. J'aime pas cette map, je vois rien sur les toits. Il y a trop d'objets en fait. Vraiment pas grand chose. Il va falloir que je me traîne aux hélicos sur la map range là. Ah, y a un gars là pas loin. Voilà, hop. S'il y a un gars sur ce BPB et qu'il est pas ici ou là, c'est qu'il est caché derrière ce mur là-bas. C'est la loi du BPB dans Fuxen. Je l'ai instauré. Ok, un hélico qui a fait de la merde. J'ai juste envie de le reprendre. Regarde, regarde, regarde. Hop. On va rester avec ça. Voilà. Non, celui qui a voulu le prendre, il va faire de la merde. C'est Yotz. Ah, il a réussi à sortir. J'ai pas eu confiance en toi, tu m'excuseras, Yotz. Attends, je saute! Ah merde! Oh là. Alors lui il va bien descendre avec son camion à un moment donné. Je sais pas où il va mais. Ah, sur le A. Ah ouais, sur le A il y a. Ah ben oui, sur le A! Putain, je croyais qu'il était de l'autre côté. Les camouflages sont pas. Il y en a certains qui sont vraiment superbes. Hein. Alors, Skilou, t'étais passé où pour pas venir au Paris Games Week? J'étais au Battlefield 4 Showdown live. Voilà. 64 joueurs qui étaient en train de se mettre la gueule de deux nations différentes. Tout ça a se passé à Londres sur la Xbox One. Et j'ai casté cet événement. Donc si tu ne l'as pas écouté, Alzaco, c'est pas bien. Et tu peux le retrouver sur le Battle Log d'ailleurs, en streamant live. Casté cet événement avec Kali. Et c'était juste énorme. Juste énorme. On peut pas dire plus quoi. C'était The Experience. Aïe 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 aïe. Sparko il prend le BP tout seul. Je viens t'aider, Sparko! Enfin, je viens t'aider, c'est vite dit. Si, je suis là. Oh, merci Yotz, je crois. Yotz qui s'est fait tuer, mais. Qui nous a sauvé la vie.
Bon, ça va, je suis à 7-1. Je crois que j'avais pas fait un kill. Ouh! Alors, déjà que j'ai du mal à piloter. BF4 Love, mais bien sûr, mon ami Kira, BF4 Love, quoi. PS4, BF4, franchement, c'est la classe. Il y en a qui aiment en bas. Voilà quoi, tu peux pas lutter. En même temps, moi j'ai eu trois amours dans ma vie, hein, c'est Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield. Alors il y en a qui m'ont plus ou moins trahi, hein, comme Call of. Battlefield m'a jamais déçu, donc voilà. Et CSGO a pris une... Enfin voilà, Counter-Strike m'a un petit peu déçu avec CSGO. Mais Call of Duty m'a vraiment déçu depuis des années. Donc, voilà. Que voulez-vous? Meurs-toi! Ok, putain, ils sont sur les toits. Ah, ok. Y a pas un hélico là? Je vais les écraser. Sur les toits, sur les toits. Pourquoi je peux plus tirer? Ah, j'ai plus de bastos. Si je le hit. Code 4 Pro Mode, ouais, ça, oui. Code 4 Pro Mode, qui a tout compris. En tout cas, merci. Merci à Alzaco, merci à tout le monde de nous suivre. Hein, franchement, Yotz et tout ça. Ça fait super plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué durant cette semaine où j'étais pas là. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir stream là. M'amuser avec vous. M'amuser avec Yotz. Yotz, c'est qui ça? C'est Sparko? Ah ouais. Un Sparko! Viens, on va sur C, Sparko, on est chaud. Aïe, moi je me pète les jambes quoi. Bon joueur, bon caster. Ouais, bon ça va. Je me démerde de mieux en mieux, on va dire. Bon joueur, bon. Là par contre, tu me mets trop de pommade, car... Tu me mets trop de pommade. Clairement. Je me démerde, on va dire. En fait, je pense que quand je serai intérieurement, quand je serai bon en caster et joueur, je pense que j'aurai la grosse tête en fait. C'est ça. Je crois que c'est ça. Ah désolé, j'ai pris ta bande passante pour les SWCSM. Ouais, pas de soucis mec. Mon programme dans la semaine, je l'ai pas encore trop établi, mon programme dans la semaine. J'aimerais bien me procurer Ghost. Ok. Oh merde, Sparko lui fait des 1v1 vs des laves, il a pas peur, t'as vu, il retourne des laves et tout. Battlefield 4 moment. Ouais, ben en fait, je sais pas trop, parce que je l'ai pas encore trop établi à vrai dire. J'aimerais bien tester Ghost quand même sur PC. Je vais faire énormément de BF4, je continuerai à faire du GTA 5. Ça y a pas de souci. Je vais faire pas mal de BF4 et je vais commenter les GoForts, les GoForts et les Cups normalement. Alors les EMS, on verra. Je sais pas avec ESL comment ça va se gérer, sachant que sur les modes spec, je crois qu'il y a que 5 specs et tout ça, donc on verra bien. Est-ce qu'on sera officialisé caster français, on verra. En tout cas les GoForts, on va se démerder, y a pas de souci. Donc voilà, donc pas mal de BF4, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire du code sur PC. J'aimerais bien, parce qu'après voilà, il faut que je me procure le jeu et vous avez vu là ce qui vient de se passer? J'étais ici, je suis arrivé à l'échelle d'un coup. Donc on va voir. Et c'est sniper. Ouais, reste caché toi, parce que. Parce que voilà, ça fait de l'argent, mine 2, tout ça, et... Ah, merde. Et Shootmania, ben, peut-être beaucoup moins, Shootmania. Beaucoup moins, je pense, on verra. On verra comment ça va se dérouler pour Shootmania.
Sachant que les GoForts BF sont aussi le dimanche. On a quasiment toutes les GoForts. Sachant que sur Shootmania, à part les GoForts, plus grand chose. Peut-être les The Week Up aussi, mais en termes de tournoi, on va dire pas forcément intéressant, mais où il y a un certain enjeu, parce que tous les tournois sont intéressants pour moi. Mais là où il y a un certain enjeu, ouais, il n'y a plus grand chose, donc on va voir. Et je suis en train de me faire démonter par je ne sais qui. Ah, c'est bon, ils sont en train de nous dominer là, concrètement, c'est bon. Hein. Je vais prendre le sniper. Lui, il a le SRR 61, mec. C'est bon, il met la sauce. Je vais prendre le snipe. Je vais lui mettre une correction viteuf. Il y en a un qui essaye d'ailleurs depuis là. Oh! Oh, mais je suis pas sur lui là! Vas-y, remontre-toi, l'ami. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Hein. C'est ça le problème. Beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que. Le jeu, ça fait 2 ans qu'il a pas énormément évolué. Entre guillemets. Du moins pour cette communauté actuelle. Pas mal de choses qui ont pas trop bougé pour la communauté actuelle. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu déçus à ce niveau-là. Et puis, en termes de. De compétition, je veux dire, c'est sûr qu'on a eu un SWC de folie, hein, mais j'ai peur que ça soit le SWC qui clôture le truc, quoi. On verra bien, mais... vous voulez, c'est la dure loi du jeu vidéo. Putain, ils sont partout. Voilà pourquoi j'aime pas cette map, parce que on voit rien, quoi. T'es sur le toit et ils sont partout. Ils sont partout, quoi. J'ai pas entendu les annonces, etc. de ce qui allait se faire. J'ai pas pu suivre tous les lives, hein. J'étais à Londres. Dites-vous que j'ai peut-être pour 50€ de. 50€ de. De Twitter. Rien que pour avoir tweeté. Genre quoi, je suis là, je prends des bastos quoi. Tire dessus quoi. Ah, les gars, c'est des pro aimers quoi. Donc j'ai pas pu suivre ouais, tous les lives et tout parce que j'avais j'ai pas mal tweeté, j'ai pas mal regardé internet et tout, j'ai regardé un petit peu l'actu mais je pouvais pas regarder plus que ça et au final je dois en avoir pour 50€ de connexion sur internet avec le portable. Donc, voilà. Donc là ils doivent être derrière un mur, c'est pas possible. Je suis nul au snipe, c'est un truc malin. Putain, mais. Eh, mais toutes mes balles partent à côté, quoi. Oh, je suis fou. Ah, quand même. Là, il l'a prise. Hein. Celle-là, il n'y a pas coupé. Ah, ils sont juste là, regarde. Ok. Allez, snipe auto de merde, quoi. Fucking snipe auto de merde. Noob. Brojean, t'es un noob. T'es un fucking noob. Un fucking noob avec ton RFB, quoi. T'as pas maté le stream à... Ah, ben non, je pouvais pas, je vous l'ai dit. Je... D'ailleurs, j'attendais la VOD, alors j'ai vu la VOD ESWC. Après, c'est pas pour. Être méchant avec les commentateurs, mais bon, voilà, c'était un petit peu. C'était pas ma cam, quoi. Donc voilà. C'était ça. Un petit peu le souci. Donc j'ai pas pu. J'ai regardé vite fait la VOD. J'ai pas regardé votre live parce que je crois qu'il a été upload il y a pas longtemps d'ailleurs, il me semble. Donc voilà. Toi, remontre-toi, toi. Avec ton fucking snipe auto de noob. Tiens, toi.
putain. Genre à Luke. Ouais. Alors ça, je l'ai toujours dit, cette arme de soutien est cheatée. C'est une arme de soutien. C'est une arme où on fait baisser les têtes, on tue pas à 15 km avec. Le type m'a mis une bastos à 15 bornes, quoi. Genre, easy. Easy win, je te fume la nuit, quoi. Toi, ah. Tiens, prends ta tête, toi, salopio. Oh, mais pourquoi il prend pas, là? Je comprends pas. Là, j'ai pas compris pourquoi il a pas pris. Ah putain, hey, ils sont tous là, hein. ils ont repéré un sniper. Regarde, regarde, ils sont tellement bons. Allez, bande de nazes. Je vous fume. Allez, tiens, toi, ramasse ta tête. Vous êtes nuls. J'ai envie de dire, vous êtes nuls. Moi, je fais des kills. Par contre, au corps à corps, je suis nul. Ouais, mais il y avait de l'ambiance. Ouais, ben ils ont l'ambiance de la salle, hein, donc après ça aide, c'est sûr. Après, bon, moi je dis pas aussi parce qu'il y a une certaine pression. Bon, Olivier Morin encore, il gère ça, il a l'habitude. Son co-caster qui a fait aussi du code d'ailleurs, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. Bon, il était pas mal. Il s'est bien démerdé parce que franchement, il y a une certaine pression. Hein, faut pas se leurrer. Et moi, je lui dis GG pour ça. Je lui dis pas forcément GG pour ses commentaires, mais je lui dis GG pour ça, quoi. Vas-y, remonte-toi, mec. Et on voit rien ici, c'est tout blanc. C'est tout transparent, tout blanc, tout bizarre. Ah ouais, non, mais cette partie, c'est complètement ça. C'est Dunk Hunt, c'est la map, c'est un petit peu comme Shanghai, c'est la map au sniper, quoi. C'est les gars se mettent sur les toits et yalla, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne un petit peu de hauteur. Ce serait plutôt pas mal. Ouais, je dis ça parce qu'après, moi, c'est vrai que j'ai fait cet event là à Londres. Et je vous. C'est pas pour vous. Enfin, voilà, je me suis chié dessus. Concrètement, hein, je le dis. Je me suis chié dessus. C'était la première fois que je faisais un event comme ça. De cette taille, de cette ampleur. Et ouais, je me suis clairement chié dessus. Ça a dû se voir un petit peu en live que bon, il y avait quelques petites erreurs. Après, c'était très compliqué dans le sens où c'était 1h30 condensé. Les répétitions, c'était dur pour nous. Map de merde, je lui pisse dessus. Sparko, il a pas kiffé la map, je crois. Donc voilà, c'était tout un truc qui fait que voilà, j'avais pas l'habitude d'avoir un script, etc. En plus, on commentait un petit peu, on avait le live, donc on commentait le live et c'était très dur, sachant que je suis pas un génie en anglais, donc c'est compliqué. Donc voilà, c'était assez difficile. En plus, on était deux, donc c'est vrai que de gérer un cast à deux, c'est des fois plus dur que de le gérer tout seul. Moi, je me souviens à Kali, Kali qui faisait quand même des fois les traductions des interviews, quand il y avait des petites interviews joueurs ou avec Daniel Matros. Et je lui faisais des comme ça, vas-y, enchaîne, enchaîne, vas-y, c'est bon, ralentis. Je lui faisais des gestes et tout. Je lui disais nickel, nickel, accélère. Parce qu'après, il y avait des transitions vidéo, donc voilà, c'était un truc, voilà. Mais c'était vraiment énorme, moi j'ai tellement kiffé, si je pouvais en faire tous les week-ends des événements comme ça, je te dis que je le ferais. Et puis l'expérience humaine aussi que ça apporte, j'étais avec des gars énormes, voilà, tous les joueurs console là, des Pyro, des Infamous, des KFR, des Mythics, il y avait un Infamous aussi je crois. Voilà, après pareil, FX, un producteur UK de chez EA là qui nous aidait gravement et
Non, c'était énorme, c'était vraiment énorme quoi. Il y avait Orelsan, non? Non, c'est pas le BF4 All-Star, hein, Yotz. Ouais, c'était le showdown à Londres. C'était le showdown à Londres. Ouais, j'arrive, je start, il y a un missile de l'au-delà là, qui arrive quoi. Moi, c'était le showdown et le showdown, c'était vraiment là, c'était vraiment super quoi. C'était vraiment un truc de ouf quoi. Ah, il y avait des stars, hein, il y avait des stars hein, en termes de développeurs du jeu. Voilà, il y avait tous les développeurs. Il y avait une grosse partie de dev. Non! J'ai pris les miettes quoi. Merci Sparko. Donc voilà, non, c'était énorme. Rien que les commentateurs, pareil, hein, Golden Boy, Benson. Voilà, c'est des commentateurs de ouf. Rien que ça, j'étais juste fan quoi. J'étais limite timide et tout. C'était un truc de fou quoi. Ah, écran noir. Ah, c'est bon. Vas-y, passe au-dessus du char, passe au-dessus du char. Ouais, j'ai envie de le cut, j'ai envie de le cut. Je vais le cut. Je peux pas. Il y en a un autre. Non? On s'arrête pas, on s'arrête pas. Oh lui, il a pris une bastos. Aïe, aïe, aïe. Allez, bro Jean, j'étais brained. Aïe, 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 il est toujours, je le vois pas, je sais pas où il est. Ça me stresse un petit peu de pas le voir. Vas-y, fais-moi monter là. Allez, allez, GG. Je vois pas grand-chose là. Ah, j'ai trop pré-shoot. Toi, je t'ai hit dans les jambes. Ah, j'en ai pris un coup. Ah, GG, le sniper. Oui, il y avait des teams France, hein, je te dis, il y avait les Pyrogènes, il y avait les Mythics, il y avait les KFR, il y avait un FMousse, il y avait pas mal de joueurs français, il y avait 5 joueurs, 6 joueurs français. Il y avait des, voilà, l'Europe était composée en gros de 5 joueurs français, 5 joueurs italiens, 5 joueurs espagnols, 5 joueurs allemands, 5 joueurs anglais et contre 32 joueurs américains. Oh, je l'ai hit, je l'ai pas tué. Mais t'es sérieux? Ah, quand même quoi. J'allais dire c'est la blague sinon. Je lui ai mis une pire balle dans la tête et tout. C'est la map de sniper quoi. Oh la fenêtre. Ok mec, y'a pas de soucis, Yates. On sera sur le serveur de toute façon. Donc voilà, c'était ouf. Bon, après, on n'est pas passé à la caméra juste pour dire au revoir, bonjour et au revoir. Mais voilà, c'est vu, ça a été vu, je pense, par un bonhomme de personne. Et voilà, quoi, c'était un petit peu ouf. Oh, j'aurais fait le troisième. Oh, j'aurais fait le troisième. Allez le char là, il faut faire péter le BP les gars. Ah, oh, ils vont diffuse, dommage. Ah, oh, j'aurais fait tel, ça aurait été tellement beau. Là, ça aurait été un autre BD. Putain, mais le char il fait pas BD. Voilà, tire sur le BP, voilà.
Ah, y a un char, y a un char. Je suis la cible d'un char. Ah bah j'ai fait péter le BP en fait au final. GG les gars, bien défendu. Ah c'était cool, moi ça c'est un truc qui me restera en souvenir tout au long de ma vie, c'est sûr et certain. Ces événements comme ça, on peut pas les oublier quoi. Si tu l'oublies, c'est que vraiment t'arrêtes quoi. J'ai fait de la merde là. Mec. Ah oh, je voulais le unscope quoi. Ah je suis fou. Je suis fou. 11-4 quoi, je galère. Enfin, je galère. Bon, ça va en fait. Faut que je regarde un petit peu où c'est que j'en suis des bonus. Putain j'avais masse bonus, ils ont tous disparu. Ah non, 6, 25, 3, 50, j'en ai encore un à 200. Ok. Je pourrais utiliser mes bonus pour XP un peu plus rapidement. J'en ai déjà utilisé un 100%. J'ai XP, j'ai genre pris 3 ou 4 levels en 2 heures de jeu avec Dominat. Un petit peu abusé d'ailleurs. C'est un petit peu bizarre que je vois personne sur les toits. Oh, je l'ai tué, il m'a tué. Oh, je suis déçu. En plus, quand je l'ai un scope, on a vu passer la balle. En fait, le trait de la balle il est rentré. C'était juste à côté quoi. Ça lui a efforé son épaule. Ah ça c'est pour faire péter quelque chose je crois. Mais il l'a déjà fait péter sur moi. Ça c'est l'évolution de la map. Je sais pas ce que c'est exactement. Je l'ai jamais vu. Bon alors est-ce que je fais mon bâtard? Je vais aller mettre du C4 dessus. Je peux faire mon bâtard. Oh y'a une grenade. Oh culé, je me suis fait péter avec mon C4. Putain, mon C4 il est pas passé. Il s'est collé sur l'angle du mur. Il a fait stock. Je suis stack sur l'angle du mur. Oh man. Je vais faire d'autres événements sur BF4. Ben pour l'instant je ne sais pas. On va voir, on verra bien ce qui se fera. En termes d'offline, je ne sais pas. En tout cas déjà je vais avoir tout ce qui est je vais essayer de faire toute la partie online, donc déjà il y aura du taf concrètement et après on verra. Ah oh, oh putain, il bouge au pile poil au bon moment, ça diffuse les gars. Putain, oh les gars, quelle bande de tardos. Il faut regarder le BP de temps en temps. Hein. Alors lui par contre pour l'atteindre, il y a une fenêtre de tir très délicate à avoir. Je pense pas que je vais y arriver. Pourtant je pense être dedans. Hein. Attends, attends. Est-ce qu'il y est toujours? Ouais, il y est toujours. Putain, j'ai tellement l'impression d'être dedans. Putain, mais... Oh, ça bouge trop. Ouais, c'est lui qui me fume. Ça bougeait trop, là. C'était la guerre. Ouais, c'était un... Je suis aveugle, il y a des effets. Oh, le bon respawn. Le gros respawn, quoi. Putain.
Putain, pourtant ça fait 2 balles que je lui passe à côté. Bon, ils ont fait péter les BP, il en reste plus qu'un. Donc GG à vous les gars. Enfin, je vous ai pas trop aidé sur ce coup là. Allez, ça pique hein. T'aurais dû la prendre dans la tête ça hein. T'étais allongé en plus. Ça m'a changé de visée là, on est bien d'accord que j'ai changé de visée là. Ça m'a changé d'arme aussi, non? Ça m'a changé d'arme et de visée. D'accord. Why not? Voilà, le BP il est à nous, rien à foutre. Je vais péter du C4, on sait jamais. Ah là, il aurait dû la prendre dans la tête quoi. Oh là, mais un truc de malade. Quand même. Ah quand même. Voilà comment on nettoie un toit. Là y'a un gars là. Ah, t'as voulu jouer le fufu avec moi. Toi aussi. J'suis un fou furieux moi. J'suis un fou de la guerre hein. J'suis un petit peu le mec qui s'est déguisé pour faire des streams quoi. Donc en même temps tu peux pas test quoi. Voilà, c'est le gars qui aime la guerre quoi, tu vois. Je suis le gars qui aime jouer à la guerre quoi. Voilà, toi tu prends ta tête, hein. Hop. Un petit peu le type qui aime jouer à la guerre. Oh. Voilà. Donc là il y avait un point. Ah, c'est pas moi qui l'ai eu là? Ah, je suis déçu. Putain, montre-toi, toi. Allez! Mais mec, je suis un pro sniper. Faut pas camper avec moi les gars. Vous avez juste pas le droit de camper avec moi les gars. Alors là il y en a un sur le toit. Bah il est mort. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Est-ce qu'il y a encore du monde dans les bâtiments? Oh merde. Ah c'est chaud. Allez! Qui c'est qui m'a touché là? Allez! Vous parlez pas avec moi! Oh merde! Oh merde! J'ai fait un truc de ouf quoi! J'ai fait un truc de ouf! Alors, il y a déjà quelques votes des streams à dispo. Oh, non, ça a rien à voir, désolé pour la fausse joie. Ah, Dead fail. C'était quoi ça? Sniper is broken. Ah c'est l'eau clear. Ouais non mais l'eau clear quoi. L'eau clear voilà quoi. Non mais là la série que j'ai fait, je veux dire elle était quand même correcte. Je veux dire, la série, j'ai fait des kills de juste de l'au-delà. Oh merde. Allez, le RFB quoi. Ça, c'est le snipe de noob quoi. J'étais à 15. J'étais. Pour vous dire, j'étais à 15-9. Je crois. 15-8. 15-9. 15-8. Et je suis passé à 20. 14 même 8. Et je suis passé à 25. 25-9. Hein, donc. Je pense que là, j'ai fait une série. Oh il m'a vu. Allez pousse-toi. Oh l'autre il me gêne. Putain. Oh j'ai horreur de ça. Le gars il s'est allongé là dans mes pieds. Donc voilà. J'ai envie de dire j'ai fait une série de ouf quoi. Sniper Powa quoi. Il est où le BP là? Ah il faut y aller.
Alors là, ils ont posé du C4. Allez, alors que ça secoue et tout. L'évolution, moi ça me fait pas peur, je mets quand même des têtes. Regardez l'emplacement de la logistique sur vos cartes. Ouais, t'inquiète. Alors là, je crois qu'il y a un gars à l'intérieur. Allez hop, ça c'est fait. Moi je crois que j'avais fait aussi des kill au gun, ouais. J'ai fait 2 kills ou 3 kills au gun aussi. Ça en réduit un petit peu la donne. D'accord. Lui il est allongé. Eh les gars, stop. J'enfile une capote. Et je vous la mets profond quoi. Oh merde. Oh la grenade. Oh GG. Je savais qu'il y en avait un. Oh ils sont tous là. Regarde-les moi. Il y a 4 snipers là. 4 snipers derrière ces rochers. Oh je vais y aller. Je vais mettre des têtes mec. Je vais juste mettre des têtes. Il y a déjà Vix. Faut que je me... Vas-y faut que je respawn sur lui. Ah c'est la fin. Bon mais ça va quoi. J'ai envie de dire pause. La bonne game qui fait plaisir. Je pensais pas que j'allais si bien me démerder au snipe. Sur cette game du moins. Surtout en rush. Après on avait une bonne équipe hein, parce qu'ils ont posé les BP, ils ont bien joué les BP. Donc ça, ça aide au taquet. Parce que bon, j'aurais été tout seul avec mon snipe, j'aurais rien fait quoi. J'ai le mini VPR, alors je sais pas pour quelle arme c'est. Parce que je sais qu'il y avait la mire décalée, l'œilleton décalé mais pour le snipe. Donc ça c'est un petit peu bizarre d'avoir l'œilleton décalé pour le snipe, genre au corps à corps, t'sais. Tu sais. Tu as la longue vue, tu switch, œilleton t'arrive. Pour les snipes auto je veux bien, mais pour les snipes coup par coup c'est chaud. Aïe aïe. On va défendre. Go défendre. Go def. Moi je vais faire une petite pause. Je vais aller me chercher un truc à boire. Parce que je parle beaucoup là. Et je reviens tout de suite. Hein. Petite pause syndicale. Et j'arrive. Le temps que ça se lance la game. J'arrive tout de suite. Mais c'est déjà lancé. Mais... Ah. J'arrive. J'arrive. Allez, je suis allé chercher le paquito. Donc voilà. Petit paquito smooth. Je sais pas si en descente, par contre, c'est judicieux en défense de prendre le snipe. Alors, il y en a beaucoup des décors constructibles sur la carte. Mais tous les bâtiments sont destructibles hein, déjà. Donc, ouais. Donc, ça commence à faire un paquet. Aïe, aïe. Oh, ils ont combien de chars quoi. Donc ouais, ça fait un bon paquet. Ah mais attends, c'en est un... Oh putain, je crois que c'était un collègue. Alors je vais peut-être pas prendre le snipe. Hein. Pour défendre, ça risque d'être tendu. Bah là, oui, tous les bâtiments qu'il y a sur la carte sont destructibles. Hein, donc tous les bâtiments, toutes les barrières de bois... pas mal de choses destructibles.
En fait, la démolition d'un BF a été accentuée et en plus, ils ont rajouté l'évolution. Donc, c'est un truc de fou, hein. À ce niveau-là. Oh, me l'a volé. Oh, me l'a volé. 63 de dommages. Il y a des chars partout, ça sert à rien que je me mette au. À moins que je prédise le chemin des chars. Ce qui risque d'être compliqué. Oh putain, et voilà le char. Fu. Donc ouais non, non ben après ouais c'est ben, y en a qui vont aimer, y en a d'autres qui vont pas aimer, c'est vrai que c'est même les. Ah putain pourquoi j'ai repris le snipe? Voilà je sais pas, par exemple même ça c'est un mur, par exemple je vais mettre un C4. Voilà, je pète le mur et je passe quoi tu vois. Je pétais le mur. Voilà. Donc là je suis dans une baraque, là, bon là il y a déjà des murs pétés, enfin, voilà il y a tout, je veux dire. Même ça je pourrais le casser quoi. Je veux dire. Hop, voilà, ça va se péter par exemple. Ça aussi, ça peut se casser. Ça, non, c'est du métal. Ça aussi, ça peut se casser. Ça aussi, ça, non. Il y a plein de choses hein, qui se cassent. Même les arbres se cassent. Je sais pas si je vais y arriver avec un. Peut-être avec un. Avec un snipe, ouais, voilà. Voilà, je pète un arbre. Mal. Totalement logique hein. Va falloir la jouer au véhicule je pense. Je vais jouer à ma partie, je vais changer, je vais mettre un véhicule. Oh, j'étais pas sur lui là. Ah quand même. Ah il est où, il est où, il est où, il est où, il est où. Aïe 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 aïe, picote, ça pique, ça pique. Oh il m'a eu. Oh YOLO, GG mec. Oh, il m'a mis un. Ciao, ciao! Alzaco! Pas de soucis, mec. Faut passer une bonne nuit. Je vais prendre un véhicule, je pense. Je sais pas si on a des véhicules au final. Il y a déjà un char. De toute façon, moi, ça va être la dernière. Jusqu'à minuit, je pense que ça va être la dernière, l'une des dernières parties. Je vais pas tarder non plus. Petite heure tranquille. Là, j'étais à fond. Je pense que là, je vais être un petit peu moins à fond. Logique, on peut pas être à fond tout le temps. Donc là il y a un char je crois. Ah merde, je l'ai pas vu. En même temps, sur cette map défendre, j'avoue que avec tous les chars qu'il y a, c'est un petit peu hard. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi nous on en a qu'un. Tout à l'heure, il y avait une série de 3 ou 4 chars. Peut-être que ça respawn pas au final. Ça fait une seule vague. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je vais rester sur le 1. Oh putain. Pile poil quand je dis je vais aller sur le A, combien ils sont? Ils sont 3 sur le A. Ah, je sens le rape, hein. Je sens un petit peu le rape qu'on leur a mis quoi. Ils sont pas contents. Ils vont nous le faire sentir, je crois. Déjà, il n'y a plus un seul bâtiment sur la carte quoi. Pour aller défendre, on a compris. Allez, le char, je me fais BS par le char. Ah, là 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 là. J'aimerais bien un véhicule là, j'aurais bien aimé prendre le char quoi. J'en ai pas, eux ils en ont deux et nous on a que dalle quoi, ça me saoule. C'est juste relou. En même temps, j'aurais pu prendre les anti-chars. Mais... Pas de missiles anti-char dans le secteur.
Si, il y en a un, mais il est là. Et le char est là, tu sais. Nice. Ok. Ok. Là, je me fais totalement défoncer. Hein. Désolé, les gars. Je suis pas actif. Je suis plus trop actif. On va essayer de la jouer finode avec le snipe et faire péter les chars au C4. Ça les a attendus, mais. Ou alors je vais faire mon fifou, faire mon petit salopard. Non, j'ai gaspillé mon C4. Je m'en fous, j'ai fait tout péter. Je m'en balance, j'ai fait tout péter. C'était pour sauver tout le monde. Il y avait le char, il y avait le gars qui arrivait sur le BP. Oh, j'ai gaspillé mes C4, j'ai fait de la merde. Je suis pas habitué à jouer avec C4. Je pense qu'il faut retourner sur le B, il n'y a plus grand monde. Ah oh. Oh, putain, il a de la chatte lui. Pile poil quand je tire, il bouge. Alors toi, par contre. Oh, ah putain, trop de timing. T'avais le char de dispo. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. T'amusera plus avec ta lourde. Char. Ah, ça va amorcer ça. Ah putain, je pensais qu'ils étaient plus loin que ça. Ah, le rapport des distances quoi. Bon bah GG les gars. Alors j'ai jamais aimé défendre à vrai dire, jamais aimé rester dans une position défendre. Le mode rué sur BF3, j'adorais quand j'attaquais quoi. Même sur tous les modes comme ça. Même un peu comme sur Red Orchestra 2 ou Rising Storm. J'aime pas être le côté qui attend l'assaut. Je sais pas, j'y arrive pas à rester en place, attendre comme ça. Bon là j'ai fait le ménage, ce qui paraît. Ah, je l'ai pas eu. Voilà, j'aime pas camper comme ça. Je trouve ça vraiment. Putain, je tirais dans le mur. Oh! Oh! Il est mort. Putain, je suis déçu de pas l'avoir eu lui. Le char, bon, attends, je vais essayer d'aller me le faire. Le char il s'est rapproché de nous. Je vais essayer d'y aller en fufu.
Enfin, c'est fait. Plus de char, on est hors de notre position. Oh! 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 T'es sérieux? Oh, je me fais cut. Genre, je me fais contrer, quoi. Et je peux pas contrer? Je peux pas recontrer, moi? Ça, c'est nimp, quoi. Oh, le gars, il a réussi à me contrer, tu sais. Ah, cette chatte. Chattars, va. Oh, je sais que je vais me faire cut, normal. Je vais le contrer, monsieur. Oh, lui, là. Oh, il a eu chaud à la bite. Deux fois, triplement chaud à la bite. Eh, mais... Ah, quand même, putain, j'allais dire merde, quoi. Alors, lui, par contre, je le vois plus, il y a de la fumée. Ah, il est sur le toit, ouais, c'est GG. Je t'ai pas vu, mec, on voit pas ta tête, quoi, excuse-moi. Il y avait de la fumée, il y avait un petit peu de tout, je voyais rien, quoi. J'ai envie d'éternuer. J'ai envie d'éternuer. Ah, ouais, je vais éternuer. Oh putain, mais c'est un truc de malade. Ce que je loupe, quoi. Je devrais pas louper ça. Ah, il a volé. En fait, c'est le mouvement. J'arrive pas à anticiper leur mouvement. Comme je connais pas encore le mouvement des joueurs. Il est mort, lui. J'ai vu ses pieds, lui, par contre. Fallait pas s'allonger quand un sniper te tire dessus. Quatrième règle, ne jamais s'allonger. Courir et sauter. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Tu ne poseras pas la bombe, mon ami. Toi non plus. Ah! C'est quoi tout ce monde qui a spawn d'un coup là? Il y avait personne et les types spawn ici. J'ai rien compris. C'est juste folklore, quoi. J'ai été submergé d'excitation. Remonte-moi ta tête, s'il te plaît, remonte-moi ta tête. Fais-moi ce plaisir avant la fin de la game. Bon, mais tant pis. Et ben voilà, une petite game sympa. Bon, 19-12, bon, c'était pas la meilleure de mes games, je dois l'avouer. Bon, que voulez-vous, ça arrive. C'est comme ça. Il est quoi? Il est 20, je vais en faire une autre, et puis je vais m'arrêter là, je commence à avoir un petit peu mal au crâne à force là, 3 de BF. Tue le BF. C'est vrai que BF, il y a tellement d'informations en fait. Faut tellement avoir les yeux ouverts que... En fait, ça me pète un petit peu le cerveau. C'est pas comme les autres FPS où il y a moins d'informations à avoir. Faut être moins attentif ou quoi. Et où on peut jouer beaucoup plus longtemps. Là, c'est vrai que... Avec tous les détails qu'il y a sur les maps, c'est juste ouf. Opération Leclerc.
Ah, c'est du quoi? C'est du conquête, ok. J'aime bien cette map, elle me fait penser à une métro améliorée. J'aimerais bien tester métro et tout ça. Caspian est plutôt pas mal, mais très dur, je pense, à jouer en e-sport, quoi. Après, elle est plutôt fun en FFA. La grenade, d'accord. Voilà, le seul endroit que j'aime pas par contre dans cette map là, c'est ici en fait. C'est cet endroit au middle où on peut y aller que par des petits chemins. C'est juste abominable quoi. Elle lui passe à ça. Oh là là, je lui aurais mis une tête, j'aurais tellement kiffé. Ah, lui, il fait voilà quoi, il est avec son calibre 50 dans sa tourelle. Genre, je vous chie dessus quoi. Bon, je pense que ça va être la dernière parce que là, ça va me. Je vais tester le CZ, tiens, je l'ai pas encore testé. Je vais le tester. Ok, d'accord, je me suis fait défoncer. Et c'est Vite qui a ramassé tous les kills. Merci mec. J'ai touché tout le monde et lui, il a ramassé tous les kills quoi. Normal. Une petite verrou, ouais. Je stresse un peu cette map. Enfin, c'est cet endroit-là de la map qui me stresse. Après toute la map, je la trouve bien. Mais cet endroit-là est plutôt stressant quoi. Ah mais il veut pas mourir lui. Il prend du calibre 50 dans la nuit et il meurt pas quoi. Allez quoi. Chut. Le gars il prend calibre 50 dans la nuit. Bam 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 bam. 4 hits de calibre 50. Bah moi je m'appelle Rambo. Qu'est-ce qu'il y a? 4 balles de calibre 50. Non ça m'arrache pas le corps à peine. Même une balle de calibre 50 elle passe à côté de la tête. Normalement t'as la tête qui explose sous la pression de la vague. C'est bon. Arrêtez. Ou alors t'appelles pas ça du calibre 50. Ah non, c'est pas ouvert cette porte, elle est pas ouverte. Je sais pas s'il m'a vu monter. 5 HP. Oh, ça sent la fin de la game. Ça sent la fin parce que là. Je me fais démonter quoi. Celui de droite ne meurt pas. Et les gars, ils ont des fusils à pompe et tout. Là, c'est vraiment l'utilisation des armes de merde dans cette map, quoi. Tous les vieux fusils à pompe automatiques, lance-grenades, RPG. C'est la map pour décompresser, quoi. Je vais prendre quoi alors? J'ai pas d'armes là. Intéressant. Si j'ai. Ah, la K5C.
Nice. J'ai pas forcément de fusil à pompe et de trucs bien comme ça. Je vais prendre le soutien, tiens, un peu. Je vais découper les jambes. Hein. Dans le dos. Ah ouais, non mais c'est sûr. Après moi j'ai jamais aimé trop l'utilisation de toutes ces armes là. Moi je suis resté dans les armes, je reste très basique. Après bon, c'est un mal comme un bien. Après à moi d'utiliser ces armes là, c'est sûr. Comme ça. En plus, on se fait encercler, quoi, c'est chaud. Voilà, lance-roquette quoi, c'est. Qu'est-ce que vous voulez faire contre un lance-roquette, le gars? Trop ça, tu peux rien faire contre un lance-roquette quoi. Il y a du monde. Alors je sais pas comment ils font pour jouer avec cette arme parce qu'elle a un rof tellement lent, mais les types ils mettent de ces trucs avec ces armes quoi. La U100 quoi, je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils arrivent à mettre de ces trucs les gens. Oh, l'autre il m'a volé mon double kill quoi. Le type me vole mon double kill. Putain. Et ça, le Inc-25, normalement ça one shot. Hein. Moi j'étais sur eux. Ok, je croyais que ça one shotait ça, mais en fait pas quand c'est toi qui l'utilises quoi. Ça one shot quand c'est les autres qui l'utilisent en fait. C'est une option dans BF. Suppression 10. Ah, c'est pas suppression du coup. Assistance élimination 81 quoi. Oh putain. Merci de me voler tous mes kills. Mais genre j'arrive pas à 3 HP, mais putain, mais Yana ils ont une chatte. Oh merde. Oh, arrête quoi, c'est pas possible cette chatte quoi. 3 HP. Je sais pas comment j'ai survécu. Le gars il avait X25, il a full, il a tiré avec sa lourde, il a loupé tout le monde. On se fait BS. Ok, lui c'est fait BS clairement. Il fait double.
double ou triple kill. Avec sa Pokéball, quoi. Putain. Pokéball, attrapez-les tous. Pokémon, sucez-les-vous tous. Toi aussi, tu es le meilleur chasseur. Allez, ça pré-shot, il pré-shot, le gars a pré-shot. Je décale, le gars était déjà en train de tirer et je meurs, quoi. Bande de pré-shoteurs. Pré-shot. Pré-shot. It's a pré-shot. Okay. Putain, je... C'est juste immonde. Pas un truc qui se pète ici normalement. Je vais aller sur le séance crade. Il y a sa phare. Sa phare Aïta. On appelle ça Brainhead, le gars. Allez, putain. J'ai plus de bastos, quoi. Ah, l'autre qui a pris 3 ou 4 balles dans la tête, là, j'aimerais bien savoir à combien il est d'HP, mais c'est abusé, quoi. Type, je lui mets 3 ou 4 balles dans la tête. Pokémon! Bon, je vais changer d'arme un peu. En même temps, c'est la partie où je me fais rape. C'est la partie cadeau. Donc la CZ, j'ai pas trop kiffé. J'ai la M16 aussi, tiens. Oh. J'ai débloqué ma arme en fait, au final. La CZ manque un petit peu de rof pour moi. Sinon, elle pourrait être pas mal. Après, il faudra un viseur aussi. C'est ça le problème de ces armes. Parce que j'avoue que sans viseur, c'est particulièrement chaud. Okay, je ne peux pas sauter une barrière d'escalier. Là, je remonte là. Okay. Nous avons pris l'objectif Charlie. Putain, j'étais en train de regarder comment elle visait, quoi, et puis le poil, il y a le gars qui arrive. Je suis fané! Complètement fané! Alors. Pokémon! Putain, pourquoi j'ai dit Pokémon? Là, ça y est, maintenant je l'ai dans la tête, ça va me saouler. Ouais. Game over, suivi d'un gars qui campait dans la forêt. Si toi aussi tu veux être le meilleur des chasseurs, t'as qu'à mettre des game over pour trapper tes Pokémon! Putain de merde, la partie est finie, j'aurais rien fait. Pourtant j'avais le skill en moi juste avant. Pokémon, attrapez les touches, je suis à 13-18. Pokémon. Et c'est fini. 13-18, j'aurais rien fait. Ça aurait été la game de qualité. GG well play comme de Diots. Pokémon, GG well play. Non, là, ouais, je suis en train de me fatiguer un peu. Je vous l'accorde. Je dis de la merde, je fais de la merde. Ça arrive, c'est comme ça. Et en plus, on a gagné. Oh, GG, quoi. GG, les gars. J'ai même pas fait gaffe, mais GG à vous. GG à vous les gars. Pokémon. C'était une partie plutôt pas terrible pour moi, mais les gens ont bien joué, donc je suis content.
Tant qu'on gagne, c'est le principal, vous allez me dire. Alors, tourisme à Hénin. Hénin? On va aller un petit peu faire trompette à Hénin. C'est la nouvelle mode d'aller à Hénin. T'es pas dernier de ta team. Oui, certes. Bah, j'aurais été dernier de ma team, je crois que je me serais pendu. Clairement. Laissez-moi l'hélicoptère. Merci. Pokémon, attrapez-les tous! Putain de palmier à la con, Pokémon! Putain de palmier à la con! Ah, j'étais tellement bien là, je me le sentais chaud dans ma game et tout. Il a fallu que je prenne un palmier. Un palmier qui a changé toute la donne. Oh merde. Oh merde. L'ennemi a déclenché la bombe. Ah, ça m'a fait pas spawn sur le. Faudra que j'attende. Je veux l'hélico quoi. Ah, c'est de la rafale, coup par coup. Ok. En tout cas, les bruits sont bien réalistes. Là, il y a un gars qui spawn dedans, je me fais baiser. Non, non, ça va. Ok, je mets que des 8 de dommages. Ça sert juste à rien. Putain, j'ai lancé mes leurres 3 heures après. Ah, putain. Eh, hey, mais merde, faut arrêter quoi. Combien ils ont de requêtes? Bah, l'hélico, je commence à le maîtriser, mais il faut que je configure ma touche pour les leurres parce que X, ça me fait chier quoi. Après, je sais pas quand il faut que je le fasse péter exactement les leurres. Il y a le son exprès, mais. Mais voilà. Après, en même temps, ils étaient je sais pas combien sur le toit. Type, ils ont compris. Après, sur cette map, c'est le bateau. Si vous gérez le bateau, c'est bon, vous faites carnage. Vous avez un bateau et un lave, c'est bon. Cherchez pas, ça va pas plus loin sur cette map, c'est un bateau à lave. Personne n'a la.
j'ai déclenché mes leurres, hein, pourtant. Ah putain, mais combien ils sont là? C'est juste un truc de malade là. Fuck quoi. Le bateau fait trop mal quoi. Le bateau c'est abusé, tu sais. C'est plus un bateau quoi. C'est un crove, putain. C'est un porte-avions le truc quoi. Ah mais rage pas comme ça putain. Mais laisse-moi tranquille toi. Comment ça va ma poule? Ça va toi? Ouais. Bon alors. Alors comment ça se passe l'hélico? Moi je galère. Je galère un peu. J'apprends. Je vois ça. Je passe mon permis hélico quoi. Putain. État de merde. Bah alors cette PGW. Moi, j'ai pas que demain moi. Ouais t'as le tu l'as demain. C'était fat hein. Ouais. Normal, le titre à la clé. C'était fat. C'est fat, mais fat fatigant quoi. Ah bah j'imagine. J'ai vu ça, hein. Vous avez bossé au taquet quoi. T'as fait quoi exactement au final? Bah en fait moi je suis arrivé à l'avance parce que j'ai bossé pour Turtle. Ouais. Et pour faire le montage des stands du tournoi Asus ROG, Discount et LDLC. Yes. Et du coup voilà j'ai bossé comme un ouf les premiers jours. Ah, non, mais 2 heures par nuit. Oh putain. Et après, j'ai enchaîné direct avec management de l'équipe, coverage, quelques interviews, conneries. Et après avoir gagné la finale, j'ai dormi 4 heures et je suis retourné bosser pour le démontage des cendres. Et je suis reparti lundi vers 18h. Oh putain, c'est ouf ça. Ça va quoi. Grosse semaine, petite dizaine de jours assez sale quoi. Ah bah après c'est bonnard quoi. Ouais. Bah toi c'était bien ou quoi? Ah bah ouais nickel hein. Franchement c'est le top. T'es allé toucher Bercy. Merci Grimul mec. Non bah après c'est chaud. Enfin tu vois c'était quand même pas ma faute si t'as découpé un palmier. Tu découpes des palmiers mec. Ouais. Avec mon fucking hélico quoi. Je faisais de la merde. Non mais après ouais c'était bien, c'était assez chaud. Parce que c'est vrai que c'était la première fois. Hein. Ouais ouais, c'était la première fois que je faisais un truc comme ça tu vois. Y'a des VOD et tout quelque part quoi. Ouais ouais, y'a... Sur Battlelog j'avais le lien quelque part. Et je te retrouve ça vitef. C'est quoi hein, t'es en mode costard et tout quoi. Ah ouais, costard chemise... Bah après si tu veux en fait nous on tu vois il y avait que le flux audio nous tu sais collé sur le live ouais. En fait hein. Ouais je vois le délire. On a juste dit bonjour et on a juste dit au revoir à la cam quoi normal hein. Et voilà non. T'étais avec Kali. Ouais j'étais avec Kali hein, donc bon c'était pas mal, c'était bien. Kali il a cru que les pyros allaient gagner en fait ça. Il y croyait, non mais après tu peux pas lui il empêcher. Il y croyait, sérieux? Ah ouais, ouais, il était à fond, hein. Tu pouvais pas lui empêcher ça, c'est normal, tu crois en ta team quoi. Mais bon, enfin voilà. Il a expliqué quand même qu'on était les patrons quoi. Bah, à un moment tu lui as dit que c'est vrai que l'Anf, LinkedIn, il peut rien leur arriver quoi. C'est ce que tu vois, j'y ai fait comprendre, j'y ai fait bon, en même temps c'est chaud quoi, tu vois. Je lui disais comme ça, bon mec, en même temps c'est chaud. Il est déçu quoi. Il me fait ouais mais pourquoi? Je lui fais non mais tu sais voilà quoi je veux dire c'est chaud. J'étais mort de rire et tout. Mais après tu vois quand il a battu Cole, enfin quand il a vu qu'ils avaient battu Cole, j'ai fait ouais mais bon tu sais il y avait Crew voilà quoi. Ah mais Cole ils étaient à chier mec. Je suis allé dîner avec AKM en fait ouais. La veille de leur match contre Pyro. Yes. Et AKM m'a dit en gros qu'ils savaient qu'ils allaient perdre quoi. Mm.
Parce que voilà, pas assez préparé, vraiment rien à foutre quoi. Ouais, bah ça bah, c'était à prévoir. Hein. Ouais. Stormy a eu des gros problèmes de souris en fait. Il l'a fait tomber, je sais pas si ça s'est vu sur le stream. Et ils ont fait un match sur scène contre je sais plus qui. Ouais. Et Stormy, au moment de débrancher sa souris et de se barrer, il l'a fait tomber en fait. Et en arrivant à l'hôtel, elle marchait plus, du coup il a dû la rafistoler un peu à l'arrache quoi. Et voilà, le lendemain il a eu des gros soucis contre Pyrogène quoi. Et des moments où genre sa souris elle se déconnectait et tout. Un peu Ah comme ce que merde. j'avais eu à la Sopa. Hein. Ah, genre le Et du coup câble voilà, ou un bah. truc. Ouais, voilà, Ouais, c'est. voilà, exactement. Ah, Ça se déconnectait de temps en temps, c'était assez casse-couille quoi. Il a eu du mal. normal. Après, moi, après, tu vois, il était là quand il. Enfin, il s'est dit, ouais, Lemon Dog, easy, tu vois, Kylie. Ah non, non, pas ici, les Et Mondogs. moi, je lui ai dit, Faut hein, dire j'ai que les Lemon petits Dog. John là, ouais, ils ont été bons, hein, ils ont géré. Hein. Ils ont été vraiment bons, les Dogs. De toute façon, c'est les seuls qui étaient préparés à Pyrogène, à part Enko, y a personne qui était bon. Ouais, c'est ça. Je l'avais dit sur un stream il y a longtemps, à part Enko, y a personne qui joue chez Pyrogène. Pyro, ouais. Ryudu qui était pas trop là. Ludo, c'est comme ça de temps en temps. Ah, c'est comme ça, hein, si tu veux.